travers les globes terrestres, je leur ai le plaisir de vous présenter ces magazines Nostrage. Nostrage, c'est un magazine socioculturel qui vous parle de la politique, la culture, la santé. Et aujourd'hui, nous sommes dans les cadres de la culture, précisément dans les cadres du tourisme. Nous nous présentons dans la province de Maïndombe, dans les territoires de Kwamutu, dans la localité de Menko. Aujourd'hui, très chers spectateurs, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette magazine à partir d'ici. Nelef Sebino, téléspectateur, fidèle, topé, internet, nous sommes au Kelimobimba. Bino Bouzan à Londres, Bino Bouzan à Bruxelles, Bino Bouzan à Allemagne, Bino Bouzan à France, Bino Bouzan à Chine, Bino Bouzan à Russie. Qui est donc, vous quittez vraiment, si vous avez climatisé à Kinshasa, vous quittez la terre. Chose dite, chose faite. Vous mettez à Kibino, et bon nombre, croyants qui n'ont pas sauté. Mais les lots, ils ont vraiment réalité. Très chers téléspectateurs, les lots à peu près à 200 km, à peu près, je dis 200 km de Kinshasa. Sur les balinières et canaux rapides, nous avons communément hors bord, à Wati, à Kinshasa, on fait au moins 7 heures du temps. À 7 heures du temps, tu es à Kinshasa, précisément à Malou. Mais il y a un petit qui est toujours monté, toujours la périple et la bisou, le long et la fleuve. Très chers téléspectateurs, tu as constaté que vraiment moins ébellé. Au cours, il y a parcours en Abisso, tu découvres vraiment un moment ébellé. Tant que tu as dit que tu es surtout à Kinshasa, tu es confiné surtout à Kinshasa, il y a quand même des questions importantes. Où est-ce que tu es dans le cadre du Congo profond? Congo profond, où est-ce que tu es arrière-pays, où est-ce que tu es à l'intérieur du pays? Kolongoka, à 200 km le long du fleuve, tu constates que tu es vraiment ébellé. Donc maintenant nous, on a expliqué bien le lot na périple na biso tout le monde qui maloukou, kolongo maloukou ti koko ma a on a 200 km en main au moins plus de 5 barrières. 5 barrières navales où ils allient bon où il y a ba marin. Oyo bandeko ba tali ya mokili mobimba. C'est-à-dire la force navale, ils allient force oyo, ils allient c'est une unité de l'armée nationale congolaise. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en République démocratique du Congo. Ils allient unité moko navale ya armée congolaise même. Bazali juste pour la défense moko navale. Qui dit naval là on voit, qui dit maritime on voit la mer. On voit les marins, donc on les appelle les marins, donc naval. Mais malheureusement, force navale est qu'on s'est retrouvé dans quatre il y a fleuve. Naibité. Ou sous Nabis, vous pouvez vraiment réponse, vous allez force fluviale ou bien force navale. Mais et même il s'appelle parce que dans l'armée congolaise, il n'y a pas une force fluviale. Une unité qui s'appelle la force fluviale au sein de l'FRDC ou l'armée nationale congolaise. Nous avons que la police fluviale et nous avons les forces navales. Mais curieusement ou paradoxalement, nous n'arrivons pas à comprendre une force navale qui exerce leur fonction, qui opère leur métier dans un fleuve. Nous avons eu bataille avec beaucoup de regrets. Nous constatons, nous sommes quand même tous comme pour ne pas emprunter les chemins des directeurs des cabinets, des chefs de l'État, que nous sommes intellectuels. J'aime pas emprunter trop ce jargon. Mais j'aime à parler, utiliser le terme, nous sommes éclairés. Nous sommes tous éclairés, très chers téléspectateurs, vous qui êtes répandus à travers le monde. Il y a une force navale ou la force maritime qui opère au niveau des mers. Mais curieusement, nous constatons la force navale qui opère dans un fleuve. Et à côté, il y a une police fluviale qui est censée de réglementer la navigation, de réglementer les infractions de droit commun. Alors moi, je me pose seulement la question. C'est une question que je me la pose et que je ne trouve pas de réponse. Donc, c'est vraiment la Bible, c'est la réponse. Wana. Force navale, la fleuve, et la kouluka, nini. Et puis, ce que nous constatons, dans la montée, ceux qui ont une embarcation, ils ont une balinière ou une nini, ils ont démarré le moteur, ils ont landé. C'est juste pour vous donner le carburant, 5 litres, 10 litres, vous donner l'argent et puis ils repartent. Et nous ne savons pas de quoi vraiment ces gens qu'il faut comme travail. Et, rappelez-vous le très cher téléspectateur, tout coûte un obstacle, parce que maintenant, les armateurs, navigants, ou ils ont exploité le fleuve Congo, comme il y a un niveau que ceux qui ont des barrières, on a placé les alliés, Kimi de l'autre côté arrive via Congo-Brazzaville, de l'autre Congo-Brazzaville, pour échapper à un rançonnement, on a échappé à la tracasserie au Wana. Kena Mupanzi Wana Kuna, juste pour ceux qui ont l'équipe barrière et puis Zongi. Sachant que nous aussi, nous avons failli à se victimiser par rapport à ces fléaux. Kimaki na boutou, tu traverses, tu ok.
pour qui va barrer pour rançon des rançons. Tout qui est dans mon pantalon, tu écoutes dans ma maille, mon ma cassi et bascula embarcation sur la kinango. Mais gloire à Dieu, tu vis quand même idem. Donc, on ne pouvait pas quand même continuer. Il y a que bon, acte que je qualifie de superstitieuse pour que et continuer dans l'engouana. Alors, nous demandons aux autorités compétentes qu'ils prennent les responsabilités. Mais vous êtes autorité, vous êtes commandant, vous êtes responsable dans une institution, vous êtes responsable dans une. Vous avez un poste de responsabilité. C'est juste pour servir, donner la solution aux désidérata de la population. Là, maintenant, je parle comme activiste. Parce que. En étant journaliste, je suis ni de gauche ni de droite, je suis neutre et proche de la population. Lorsque je constate quelque chose qui ne va pas bien, j'ai l'obligation, cette obligation-là, de défendre ma population et d'apporter les informations. Parce que trop souvent, si vous voyez, est-ce qu'on ne sont pas informés? Mais moi, je vous informe que moi-même, j'ai effectué plateau sous l'eau. Vraiment, plateau dans la salle, sous le fleuve Congo, le fleuve Majesté. Bino Bandeko, vous êtes à travers mon kili. Fleuve Majesté, dans sa forme plateau dans la mission dans la salle de remplacement. Juste pour dénoncer, fait Oyo, ils allaient vraiment peu court, ils allaient prêt pour moi. Donc ils ont fait activement, ils appellent Malam Mingit. Dans la République démocratique du Congo, opposition par rapport à y a positionnement géographique. Ils ont opposition par rapport à boycottage. Donc, mais tant que temps là, RFF Yambo Kanangai, ils allaient régir de voie fluviale, ou y a Baliza Kandela, à Tcheba signaux vraiment. Tous les signaux, ils ont vraiment le long fait vraiment pandi na biso. Mais par contre, je ne pense pas à Brazzaville, il y a un Congo d'en face, balisage est saté. Mais il y a ma bézaka que tant que vous êtes armateur, vous avez navigué en toute sécurité dans la côte herdécienne, vous avez occupé la côte herdécienne pour que vous ayez la côte brazzavilloise, juste pour occuper la tracasserie, vous avez couru risque. Parce que vous avez balisage est saté. Ma sable les ali, ma bang les ali, ma kaboubele bele les ali. Mais suite, il y a tracasserie qui s'opère dans le côté de la mission. Il y a des gens qui voient les ali appropriés. Pour moi, je vais vous dire que c'est un risque. Alors, c'est ça que je demande aux autorités congolaises de voir un peu cet aspect des choses. Connaissez un peu de nous mettre des services appropriés. Nous ne sommes pas contre que le long ou la côte soit sécurisée. Nous sommes d'accord que la côte soit sécurisée. Mais. En respectant les normes et à se conformer par rapport aux prescriptions établies. C'est ça que juste nous demandons. Nous sommes que non, ils ont la bonne jungle, non. Le service approprié est là. Par exemple, tu as une police fluviale. C'est une police qui a été créée pour donner des réponses à ce genre de questions. Parce que la police fluviale réglemente la circulation, la navigation, voulais-je dire, sur le spectateur. La police fluviale réprime les infractions de droit commun. Mais les marins, présence d'Abongo, je ne suis pas contre la marine de mon pays, j'aime bien l'armée congolaise et son unité maritime. Mais je voulais juste tout simplement que l'État congolais essaie un peu de faire la part des choses. Parce que nous avons constaté que chevauchement est à moi trop. Un chevauchement vraiment est à trop. Et puis, absence de cette police-là. Il y a une police vraiment qui est trop absente sur le long du fleuve. Tout le monde aura eu des postes, mais le reste, c'est un poste maritime. Donc, nous avons un marin qui est à Bango. Il y a défense, il y a intégrité, parce que c'est une unité combattante. Pour ça, il y a défense, il y a intégrité nationale. Et la police réglemente la navigation et sécurise les armateurs par rapport à leur navigation et réprimer les infractions de droit commun. Donc, sur ce, il y a beaucoup d'autres à la carte. Vraiment, à côté, on a un aspect positif. Ils ont créé un balisage, ils allaient partout. C'est comme ça, malam. Donc, ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Vraiment, aimable téléspectateur, ce qui est écœurant, ce qui est un peu regrettable, avec beaucoup de regrets, constat où on a sali la police fluviale. Police fluviale, où il y a une parcelle de pouvoir, de territoire de l'exercice, où il y a l'eau sur le fleuve Congo. Mais, vous avez dit que vous pour nous rencontrer dans le fleuve Congo, il faut que vous ayez un engin approprié. Les canaux rapides, les orbores et tout ce qui vient aux alentours. Hein. Mais malheureusement, la police fluviale a été 7 ans en route, Donc, parce que la canoë, vous prenez un bureau pour la police fluviale d'abord, mais un engin approprié, les canaux rapides, pour que vous ayez un armateur dans la maille, pour que vous ayez un engin approprié, pour que vous ayez un engin approprié, ils n'en ont pas. Nous demandons à la police, aux autorités de la police nationale congolaise de doter cette unité flottante de moyens pour que Moussa laisse la maman. Parce que tout le monde, par rapport à l'exercice,
Tout le monde, l'autre différence, au Bissomoko, nous sommes journalistes d'investigation, nous avons investigué autour de la question, nous sommes rendus compte que l'exercice de la police fluviale, l'exercice de la marée est un peu différent. Hein? La police fluviale, il y a un peu de professionnalisme, il y a un peu de technicité. Mais ceux qui vont doter Bango, l'histoire sous engin flottant, et aussi sous en plus. Donc, ça, c'est pour ça malam pour que le résultat. Parce que dans tout ça, résultat est positif. C'est ça que nous cherchons, pas plus. C'est ça que nous demandons, c'est ça que nous cherchons. Là, je vois le commissaire divisionnaire adjoint Gédéon Lombo, qui est le directeur national de la police fluviale. Monsieur le directeur, essaie un peu d'avoir un regard particulier, un œil regardant, là, je dis au mot général. Na mopandi ya ba unité flottante ou la police fluviale ou yozo ko patronné pour que ba résultat ezala bien. Et puis na réitéré tout dans la sur interpellation d'anga na commissaire général Amoury Baïgwa. Mon commissaire me kana kota là comment est-ce que la police fluviale ou yaza ko souffrir vraiment na ba moyen yaza ko souffrir vraiment na ba na ba engin na exercice na yaza ko sala mamalam pena mingte parce que biso mo tozaki tout ça sur l'eau tout ça sur fleuve tout ça le périple voilà juste pour te investiguer autour la question pour te se rendre compte nous ne voulons pas avoir les informations de seconde main. Rester dans nos bureaux qu'on nous apporte des informations qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas notre jargon, ce n'est pas notre façon de faire les choses. Nous sommes journalistes d'investigation, nous descendons sur le terrain, nous récoltons l'information et nous traitons et nous les décisions. C'est juste comme ça, Autosali, parce que tu remarques que boulevard naturel, où est-ce que fleuve majesté, ils ont embarqué les Congolais et Bélé. Donc, bon nombre de Congolais, ils ont fait l'activité dans le boulevard Oyo. Alors, il faut que normer ça là. Déjà, tout le monde est positif, ils ont dit l'usage. Déjà, le lot, armateur, tout le navigant, ça qu'on naviguait en toute sécurité. Contrairement, de l'autre côté, il y a rive à Congo, Moussouana, l'usage est zaté, ma banga est zali, zélo est zali. Mais ce moment, tu as dit victime, tu as dit zélo, et puis tu as basculé, tu as fait l'usage. Pour un point, il y a une tracasserie, il y a une unité maritime, il y a des forces navales. Donc, vraiment, très cher téléspectateur, le problème moussous auto-constaté dans le périple et dans le aspect moussous très important. Il y a aspect embarquement. Nous sommes arrivés à Maluku, tout le monde est baligné à mon côté embarcation. Il y a un mot express. Donc, il y a un bateau vert. Okay? Comme on était censé, tout ça qui est commerçant, tout ça qui est en abysso, tout le monde est là. Mais, vous déjà vous avez déjà express même dans l'avion toujours la première classe business class toujours la classe économique déjà moto à la connaissance dans la business class et moi dans la classe économique mais bah tiens biso na express voilà très cher téléspectateur le wara ma batana ba soso na bataba mais pour na biso zaki bien pour te découvrir parce que tu y es découverte on ne voulait pas on avait la possibilité de prendre canot rapidement tu y es mais pour te comprendre, parce que ce sont des réalités que nous scrutons. Déjà, les armateurs, ils ont un problème, il y a embarquement. Ils ont embarqué tout le coup là-bas. Donc, surpeuplement, ils ont entassé tout le coup dans une boîte d'almettes. Ou ils ont essayé de l'autorité régulatoire, la police fluviale a réglementé. Attends, ils ont un mot regardant l'aspect OOAN. Et là, comme nous sommes sous, tu m'as dit que pourquoi vous avez un surpeuplement à Boui? Vous êtes content, c'est oh non, c'est par rapport aux exigences. Et quelle est cette exigence? Oh non, dans chaque bande, il y a un rapport avant tout le mois. On s'acquitte des obligations administratives, c'est-à-dire tous les frais sont payés. Et puis par rapport à tout ce que vous dites, frère, vous avez besoin de go, vous avez besoin d'autorisation, il y a un long mois. Le long mois, il y a un navigué. Curieusement, chaque poste, oh, il y a qui. Et c'est là qu'ils sont comme vous présenter les documents. Si vous êtes en ordre de vous passer, il faut au Tikambong. Chaque poste, il faut au Tikambong. Et bien, moi, je ne sais pas. Les réseaux, ils ont compris ça par amateur. Il y a un peu de surpeuplement pour entasser le coup de la sardine. Quand il y a une boîte, il y a un peu de moyens, de surprise, de moyens pour que chaque poste va déposer. Qui est chose qui est prohibée, qui est illégale. On a forcé, c'est une rançon. Alors, nous demandons aux autorités compétentes d'essayer un peu de voir de ce côté-là. Nous demandons au ministère des Transports qui a la tribution ou la charge de ce secteur. Et puis, il y a une maille. Il y a une norme qui est navigable. Notamment,
na kati loko ba embarcation de fortune wana ba balinière ba kanu ba balinière ba hors bord konso. Il faut qu'il y ait des gilets de sauvetage parce que na mayi accident santé na accident ba yango naufrage. Peu importe même ce bon RT ba ba yango naufrage parce que eko dinda ba tu au flotter. Alors ceux qui batou ba ça ba gilet de sauvetage ne et pour permettre que et sauver ba vies humaines parce que les accavoyages sont un peu risquants. Mais ceux qui pour ça pour réduire ba risque wana. À être prévoyant. Parce que le gouvernement se prévoit. Mais, tomati na embarcation, on a tout ça qui a fait des centaines de personnes. Aucun gilet. Je dis bien, aucun gilet pour être sincère avec moi-même. Moi, je ne suis pas ici pour raconter des bobards ou raconter des mensonges ou raconter de n'importe quoi. Il y avait qu'un passager qui avait amené son gilet personnel. Un seul. Sur 100 personnes. Passager ou si vous voulez très chanter spectateur oh le tout c'est d'abord qui tient ça tu vois il y a pas tout toi il y a pas gilet constamment alors en cas de pépin tu vas sortir une dernière il y a un moment que non il nous faut je vous mets salami 380 morts 15 non c'est juste parce qu'ils sont pas prévoyants donc il faut vraiment veiller à cet aspect là et qui est censé de contrôler de cette irrégularité c'est la police fluviale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes. La police vient souffrir un peu qu'on vous tire là-dessus. Souffrir un peu qu'on vous tire là-dessus parce que vous avez la responsabilité. L'État congolais vous a responsabilité pour sécuriser les Congolais. Monsieur la police fluviale. Et la police fluviale, vous avez cette charge de sauver des vies humaines, de prévenir des dangers. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a l'absence totale de l'exercice. Vous restez dans vos bureaux de l'autre côté, vous êtes en train de vous faire un peu. Et il y a toujours aussi que vous payez la police, vous avez vraiment un moyen, vous payez un moyen adéquat, vous avez un moyen pour vous protéger les gens qui sont congolais, qui sont dépendants de la banque. Et vous avez quand il y a une personne quand même bien payé à qui vous payez bien à qui. Par exemple, vous avez une localité à Menko, vous avez une vocation agricole, production, vous avez une vocation. Il y a vraiment une forte production qui se réalise dans le cadre de la. Mais malheureusement, il y a un problème, il y a embarcation, il y a un problème, il y a évacuation de produits. Je vous rappelais tout à l'heure que dans mon introduction, que à 7h du temps, il y a un Kinshasa à Maluku. Il y a un port déjà à Maluku. Donc, et il y a un Kupula, faute il y a un moyen de transport. À 6h du temps, 7h du temps. Et puis, il y a un boulevard naturel qui est le fleuve Majesté. Vous voyez, il y a des poteaux, vous avez partout, comme Moussou Yango. Comme Moussou Yango. La lumière est ça là-bas, sur place. Hors bord, on a le retour même dans la poteau. Donc, comme Moussou Yango. Donc, vous avez un petit bloc, on a Awa. Vous allez dessus, et puis au côté, et puis on a fait un normal. Donc, nous allons continuer toujours dans le périple, et nous allons aller à l'étape de Moussou Yango. Et nous allons aller à l'étape de Moussou Yango. Après avoir passé 5 jours, tu commences à progresser sur mon côté, tu commences à croire, et ainsi de suite, tu es au Kende. Et tu sais que le périple, c'est Tiki Sangani. Tu as vraiment Tiki Sangani. Tu dis que tu as un peu de Komankiro, tu as un peu de Cambodge. Donc, tu as un peu de Komankiro, tu as un peu de Cambodge. Tu as un peu de Kunjulu, tu as un Pakistan. Tu as un peu de Mbutuka, trop agressif. Alinga Abino Mingi. Votre humble serviteur Daouda Ikoutou, quand tu es au contrat de signa, tout ce qui est malembe. Un grand merci à tous les téléspectateurs de Zaïr Télévision. Na attention particulière, Nabino Oyo, pour ça qui vraiment battant Nabino Zalek qui est super précieux. Il y a Koulanda Périple Oyo, mais toujours continuer à Ozaka étape Moya Menko, qui tient sa main au droit à peu près 200 km. Toujours continuer à Moti qui s'engage, nous avons révélé Bino Bureau Nyoso et Bombana. Un grand merci à la personne qui était derrière la caméra, qui a assuré la prise de vue à la personne de BK, l'ingénieur BK Boris Kabunko. Un grand merci à Sarah Yamoyo qui a concouru à la rédaction de cette émission. Un grand merci à Maman Élisée de l'autre côté de l'Afrique du Sud, qui est autre que la patronne ou la chef du personnel de Zaïre Télévision. Un grand merci aux pouvoyeurs, les boss, la personne, les pesanteurs de la presse congolaise que j'aime bien appeler Papa Jean-Marie Tobandi, qui est autre que le DG de Zaïre Télévision de l'autre côté du Royaume-Uni en Angleterre. Un grand merci à
tous les reporters qui entrepentent à travers le monde. Là, je vois nos reporters de la France, de la Belgique, de l'Afrique du Sud. Je vous aime bien. Quant à moi, votre humble serviteur Daoudé Koutchou, j'avais le réel plaisir, voulais-je dire, de vous présenter ces magazines No Stress. Et si l'inanté, vous continuez car. Si bon, on a un akin, on est ma soleil vidé. Allez, la bille au fond. Allez, on est là.